Salut YouTube, salut la VOD. On reprend nos aventures sur Baldur's Gate NN's Edition suite à un petit souci technique. On a dû un petit peu marouflé notre rentrée dans le bois manteau, mais on y est, on est là, enfin on est là. Après avoir tenté 15 fois cette transition, on est là. Et donc du coup, on va découvrir Quoi? ce qui se cache dans cet endroit. Et Aussitôt dit, si on aussitôt fait. peut interrompre les opérations des brigands qui ont lieu dans cette mine. Ben c'est parti du coup. Alors, on va déjà commencer par se reposer parce qu'on était mal en point. Et on va voir si on peut s'infiltrer. Enfin, de la filtration à l'ancienne. Hein. Vous avez dû voir que la subtilité c'était pas Ma lame vous la marque de fabrique du groupe. couvrira le morceau! Et que ça aille vite! Hop. Faites Oui, dodo. bien sûr. Ah oui, plein de flèches, très Les bien. yeux, Le moyen vous était êtes une court. pierre Il faut étrange, monsieur! viser les yeux! Quoi? Les yeux, vous! J'aurais aimé Il retrouver des faut billes aussi pour viser les yeux! Dimerl, mais on va faire sans. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, hop. Josette, t'as d'autres trucs sur toi, mais au moins faire quelque chose. Les flèches plus ça, on s'en fout. Les flèches normales, ça par contre, on prend. Hop, 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 hop. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, arrêtez-vous immédiatement et identifiez-vous. Je suis Spade et voici mes compagnons d'aventure. Je suis sûr que nous présenter face aux gardes de la mine, c'est une super idée. Qu'avez-vous l'intention de faire ici? J'avais ouï dire qu'il y avait des wyvernes par ici. Des wyvernes? Oui, avec des crocs terrifiants et assez de poison à la queue pour tuer 10 chevaux. Un nasty pointy. Excusez-moi, nous avons des affaires pressantes à régler ailleurs. Okay. Oui. Je ne sais pas qui c'était ce type. Tant pis. Alors, on a l'entrée des mines. On a une partie des mines qui est ici. Passage vers l'est pour retourner du côté de la porte de Baldur, je pense. Ouais, hop. Que Dieu vous garde si vous réussissez. J'ai jamais compris cette phrase. Ma lame vous coupera en morceaux. C'est pas une grosse menace, encore une fois. On va essayer d'explorer la zone en détail cette fois-ci. Ok, alors. Grande zone, hein. De Tasloy. Pour ceux qui ont perdu, j'ai toujours raison. J'aurais bien aimé avoir quand même un sort de Oh, hâte mon ou un truc cœur comme n'y est ça pas pour vraiment. l'arrivée dans la mine, parce que c'est bien pratique quand même. Ah, Jaira va bientôt monter, c'est bien, merci. Mais là on est un petit peu court au niveau buff de mage, je trouve. Puis Jaira est pas une
pas une lanceuse de sort terrible. Il nous manque un bon prêtre, il nous manque une Viconia au hasard. Même un Branwen aurait fait l'affaire, mais comme là on est bloqué avec Guinéar qui nous prend un poste pour qu'on garde Minsk, c'est pas bien pratique. Hein. Je troquerais bien Dinaer contre une vraie prêtresse, mais bon. C'est ce qu'on peut et ce qu'on a. Après, si ça peut vous remonter le moral, c'est le groupe canon de Baldur's Gate 2 avec lequel on est censé commencer Baldur's Gate 2, donc la transition sera tout en douceur. Mais j'ai pas viré Viconia, j'ai juste dit que bon, elle était pour l'instant pas nécessaire dans le groupe. Et le truc c'est qu'en fait, Dinaer et Minsk sont liés, donc si je vire Dinaer, Minsk dégage. Et pour des vagues raisons de roleplay, j'ai pas envie d'envoyer Dinaer à poil se faire massacrer. Juste pour regarder Minsk. Et pareil, Jaira et Khalid sont liés aussi, donc si je vire un, je vire l'autre aussi. Ça, c'est un peu chiant. Après, j'aurais pu faire un groupe bon alternatif, ou un groupe mauvais, à la limite, avec Edwin, Viconia, Kagan... On n'a pas encore rencontré Chartil, mais... ça le fait. Sinon, j'aurais pu faire un groupe bon alternatif, si ça peut se faire, mais... Là, c'est pas grave, on va faire... On va se débrouiller. Ma lame vous coupera un morceau. T'es raciste parce que j'ai pas pris l'elfe noir. Les yeux, Bou. Et j'ai toujours faut raison. Viser les yeux. D'abord, je peux pas être raciste, j'ai des très bons amis elfes. J'aime beaucoup le Lembas. Puis je veux dire, j'ai un ami, c'est un nain, alors c'est bien la preuve que c'est encore pire qu'un elfe noir. Oh, ce serait marrant de faire un perso raciste. Un perso où il y a que des humains dans son groupe. Genre non, je prends que des humains, tout le temps. Dès qu'il y a une quête où tu dois choisir, tu te mets du côté de l'humain, tout le temps. Tiens, je sais pas si vous êtes au courant, mais je crois que le Nalborn fait une espèce de truc sur Twitch demain, je crois. Il me semble. Je sais pas si... Faudrait que je vous revoie. J'ai vu le truc passer vite fait, mais je sais pas si... Je sais pas trop de quoi il s'agissait. Alors je pense pas que ce soit un concert, ou s'ils font juste un petit peu de la discussion ou quoi, mais... C'est que ça peut intéresser des gens. Bon, bah, l'extérieur c'est bon. Passer à l'intérieur des mines. Alors. Bon, personne n'a décidé de faire le grand tour.
Il y a un jeu vidéo dans le bac? Non, on me dit jamais rien, moi. Bon, les gardes, ils vont pas se décoller. Hein. J'ai toujours raison. Alors, infiltration de jour par la porte principale. Drasus. Sortez vos dagues et vos sorts et finissons-en. Vous avez fâché notre employeur, vous n'irez pas plus loin. C'était prévisible que ces racailles de chasseurs de primes ne feraient pas le boulot. Il faut miser uniquement sur les meilleurs, c'est ce que je dis toujours. Vous connaissez ma devise, il faut toujours tuer le plus bavard. Voilà ce que je dis toujours. Ah, quel beau proverbe. Votre tête me servira de marionnette et je lui ferai répéter sans fin pendant que nous boirons de grosses gorgées d'hydromel. La belle vie. Oh, la belle Quoi vie. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il désirera boire de l'hydromel dans le crâne de ses ennemis. Pour ça, ça plaira à Chrome. Oh, par contre, ça, c'est pas cool. Et que ça aille vite. On a une dissipation, c'est pas mal. S'il balance une boule de feu, ça va mal se passer. C'est pas beaucoup mieux. Le serviteur de Dame Nature attend. Bon ben, Pedrolita, tu vas balancer la purée. D'accord, donc il y a un jeu vidéo sur le bonjour. T'as plus d'infos que ça ou... C'est comme si super, fait. Foudroyer le cadavre, super idée. Alors, on va lancer un deuxième. Quand tu en as pour deux, il y en a pour un. Est-ce qu'on peut tenter un sort de charme sur Gentor? Je vais vous écrabouiller oui, la tête. Ça, c'est vous bien. Allez voir, je vais vous faire votre affaire. Fait de surveiller, résister au sort, c'est parfait. On va faire une résistance à la peur, je pense pas que ça va annuler malheureusement. Surtout que là, ils sont en train de se balader tous dans le coin. Normalement, la Jaira est disponible. Figure autoritaire omniprésent. Excited. Okay. Bon, le Khalid est en train de prendre un peu cher là. Oh mon Quoi? Est-ce. Pour ceux qui ont fin du sort de domination. Je préférerais qu'on arrête de faire du coup, Drasus est dans le croc-ra. C'est plus Gentor, il vient de sortir de sa. Voilà, parfait. Timing parfait. Gentor vient de sortir de sa domination. Alors, système tour par tour, tu visites le donjon, rencontre aléatoire, pas mal d'humour. Logiquement, il montre la bêta demain. Ah, demain, je suis pas dispo. Bah, je compte sur toi, Tancred, pour me faire un résumé complet et détaillé de ce qui va se passer. Et que ça aille vite. Pour le j'ai toujours raison. C'est vrai que après en jeu vidéo, je sais pas, il y a du potentiel. Je sais pas si le but c'est de reprendre le groupe original de Nalbuck avec le rôdeur, etc. Ou s'il y aura de la création de personnages, si c'est un petit peu si c'est un petit peu plus ouvert, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a du potentiel. Hein. Vous désignez la cible. Vous désignez la cible et bien moi sûr. Je frappe. Moins de paroles et plus de bagarres. La bagarre. Alors, des bottes, un Morgenstern, une armure de plate, on a plus de place. Ça, ça va être pour Jaira. Hop, qui va le ranger dans sa popoche. Les sous-sous dans la popoche, bien sûr. Les bottes, on va les identifier. Les pattes du guépard. Double la vitesse de mouvement. Ça va être pour Minsk. Hein. Hop là. Du coup, on a des bottes de résistance au froid. Ça va être pour Jaira. Un gros dent, on s'en foutait. Il y a une armure de plate ici. C'est peut-être une plus simple, mais c'est déjà pas mal.
Alors, nous avons de nouveaux besoins de vos services, Drasus. On s'attend à une intrusion sur le site de notre mine de bois manteau. Vous devrez accompagner Davairon sur le site et empêcher toute attaque ou intrusion de quiconque serait assez fou pour vous défier. Votre salaire habituel est doublé en la circonstance. Si tout se passe bien, escomptez d'autres missions similaires. Rieltar. Rieltar, dont nous n'avions jamais entendu parler jusqu'à présent. Est-ce qu'il m'a donné cette connaissance? Bon. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Bon, déjà, t'as un petit peu de place. Ça va nous permettre de transporter ça. Et t'avais monté le niveau. Niveau sup. Bon, des points de vie, taco, meilleur jeu de sauvegarde. Pas terrible. Pas terrible. Fate, t'es bientôt à 30 000, c'est bien. Minsk, t'es encore loin de ton niveau. Ah, Khalid, tu montes bientôt, ça c'est bien. C'est bientôt niveau 6. Jaira, bah du coup, t'es loin. Imoen aussi, et Dinaer aussi. Quoi? Bon, on va explorer le petit quartier des soldats qui est ici. Avec un peu de chance, on pourra se refaire un petit peu d'équipement. Et ça vite. Quoi? Puis-je vous aider? Imoen, tu as passé les clés pour économiser les flèches. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. J'ai toujours raison. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Jaira, t'as pas le droit de mourir contre un garde de niveau 1. Vous êtes une bien étrange personne. Ah, ici. Ouais, j'ai mes potions, ça sert à que... Mouais. C'est pas vraiment ce que j'espérais dans cette coffre. Vous avez à vos ordres. Quoi? Un gaspillage de talent. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Par péché, ne me tuez pas, je vous dirai où se trouvent les mines. Oui, je le ferai si vous me laissez la vie sauve. L'entrée se trouve à l'intérieur du camp, retranchée à l'est. Pitié, laissez-moi vivre. C'était pas un diamant, je sais pas. J'ai pas regardé. Non mais genre, toi je vais te laisser vivre. Non merci, c'est genre... Il y a un seul chemin, c'est par là. Ok. Est-ce que c'était un diamant? C'était un diamant. Bon bah, c'est pas ce que j'espérais, mais c'est pas mal quand même. Oh non, il s'est échappé avant que je puisse le trucider. Ah non, pardon, je suis un groupe bon. Oh non, on a laissé un brigand s'enfuir. Le serviteur de Dame Nature attend. J'en ai assez. Ouais, ça c'est nul. Ça c'est pas terrible. Ça c'est pas top. Oui, moult pognon grâce au diamant. Je pense que pour les moments où je fouille des coffres comme ça, il faudrait que je me trouve le passage du vieux Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson qui parcourt le machin et qui fait de la merde. De la merde. Je pense que ça collerait bien à ce qu'on trouve dans les coffres en général. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien sûr. Bon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Peut-être même une flèche normale. On va aller dire bonjour à Davairon. Faire une petite visite des mines. Ouais, je suis con. J'ai filé les bottes de mouvement à Minsk, mais avec fléau d'araignée, il est immunisé au changement de statut de mouvement. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Bon, je l'ai filé à Khalid, du coup. Et Minsk, il va récupérer la présente Talos avec la résistance électricité. Ça se fait toujours. Quoi? Du coup, on a Khalid monté sur roulette. Comme celui qui a la meilleure armée, en plus, je crois, c'est pas là forcément mauvais. Ça pique. Ça va permettre de tanker un peu avec Khalid. Oui, dodo. Dodo. Pas bien. Et que ça aille vite. Hop. Vous, dodo, et maintenant vous allez mourir. Et j'ai toujours raison.
ce que vous désirez de mon mieux. Ah, Diner, t'as plus que 3 cailloux. T'es pas aidante, hein. Déjà que tu rates 95% de tes tentatives d'apprendre des sorts. Si en plus tu veux plus lancer des trucs à distance. Il faut viser les yeux. Et que ça aille vite. Aussitôt dit. Pas que c'est bien ce jeu-là. Bon. Bon, visiblement, l'endroit n'est pas toujours le jeu. Il faut viser les yeux. Bizarrement, quand on dort devant la mine peuplée de méchants, on se fait réveiller. Ouais, on se fait réveiller, ils sont nombreux. Oui. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Quoi? Bien sûr. Par les trois. Ouais, par la... je vous ai dit, comme un caca. Non, mais le feu. Et que ça aille vite. Les autres sont milieu, ils mettent vous ce qui se passe. À vos ordres. Allez, Jaira. J'ai souci d'affichage. Ah oui, c'est parce qu'elle a déjà utilisé ses sorts, je crois. Elle les a utilisés au moment du repos. Ma lame vous coupera en morceaux. Bon, ça serait bien qu'on puisse se reposer, parce que là on a quand même deux qui sont beaucoup plus morts que vivants. Bien sûr. Allez. Ah bah voilà, suffisait de demander. Qui s'énerve? Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Couvre ton nez, Bou. Cet endroit sent encore plus mauvais que la loge après 3 jours de fête. Non, je pense que c'est encore pire que la fois où Uldon le palavé a mangé tous ses choux et ses fèves pour le souper. Mais au moins cette fois, nous pouvons agir contre les méchants puants qui en sont responsables. Et que ça aille vite. Uldon le palavé, si tu nous regardes. Bon, bah Diner, on va commencer à mettre des patates de forain. À moins qu'on trouve des billes, ce qui serait sympa. Ah non. Ce groupe promet énormément. Quoi? Bien sûr, si j'étais un mec sérieux, j'aurais fait plein de munitions avant de revenir à Bois-Manteau, mais bien bon. Bien sûr. Aussitôt fait. Je les déteste, ces femmelettes du poing enflammé. C'est vous, les Ivoiriens, qui démantelez nos opérations minières? Ben vous avez sonné la mauvaise porte, les jeunes. Moi, je suis un sale vicieux, et vous allez sentir passer votre douleur. C'était surtout tout seul contre 6. Ah oui, c'était impressionnant. Ah, c'est... Ouf. J'ai eu des sueurs froides, hein. Garde, garde, Anderson dit du mal de Davairon. Oh mais attendez, vous êtes pas à la garde. Ah moi, garde, garde. Ouais. Alors nous avons un mineur, nous avons Anderson qui dit du mal de Davairon. Il existe 2 raisons pour lesquelles je concasse ces roches. Vous voulez les connaître? Ben vas-y. D'abord parce que j'imagine que ces roches sont les crânes de mon ravisseur. Ensuite parce que la maigre étincelle que je crée est la seule lumière qu'il m'est donné de voir. Tout nouvel esclave apprend ces simples vérités bien assez vite. Ouais. J'aurais aimé qu'il en dise plus sur Davairon, mais bon.
Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Alors, vous êtes qui, les gars? Vous êtes là pour acheter du fer ou quoi? Puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être me donner quelques petits conseils. Ma femme n'arrête pas de se plaindre ces derniers temps à cause de notre vie nocturne. Avec tout le stress et les ennuis ces jours-ci, j'ai perdu un peu la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi parler de neuf enfers, vous vous demandez ça? Et une seconde, je vous reconnais maintenant. C'est vous les gars qui s'aimez la pagaille. Rendez-vous tout de suite. Sinon, je connaissais Monsieur Baba, qui redresse les sexes tordus, retour de l'être aimé, fait démarrer les motos russes. Ah, les gardes sont pas très solides, hein. Sauvez-moi, cher monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi. Si vous me libérez, messire, je vous dirai comment faire exploser cette mine à la tête de ces crétins d'esclavagistes. Oui, on te libérera, mais dis-moi ce que tu sais. Voilà, je vous explique. Pour avoir ces idées, Dieu, rien de plus simple. Ici, à côté de moi, il y a un bouchon en acier qui retient la rivière à la surface. Il suffirait de l'ouvrir et toute la mine serait noyée, mais le maître des mines est seul à détenir la clé permettant d'ouvrir le bouchon, et c'est un sale type. Si vous m'apportiez la clé, je pourrais m'en servir pour inonder la mine. Et comment vous avez appris à faire fonctionner cette clé? Il y a un nain au second niveau de la mine. Il s'appelle Yeslik. C'est le dernier survivant du clan qui vivait ici autrefois. Menacé de mort, il a conçu le bouchon pour le maître des mines. J'ai parlé avec lui les dernières fois que j'étais en cellule pour mauvaise conduite. Ouais, on va essayer de trouver la clé. Je suis passe-partout. Parfait, et si vous n'avez pas encore été au niveau inférieur, essayez de trouver un homme du nom de Reel. C'est un excellent ami à moi, il devrait pouvoir trouver un plan pour réussir à mettre tous les esclaves en sécurité. A plus tard, essayez de ne pas vous faire tuer. Merci de tes encouragements. Non mais y'a rien à piller dans ce truc. Parlons à Tipien. Que se passe-t-il? Vous n'êtes pas de ravisseur. Non, remontez à la surface et fuyez pendant qu'il est encore temps. Nous vous occuperons des derniers gardes ici. Je vous remercie. De toutes les pauvres forces qui me restent, je n'ai pas entrevu la lumière du jour depuis presque une année. Alors, d'autres mineurs... Je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drist avec les deux bras attachés derrière le dos. Vous avez rien à faire dans le secteur, rendez-vous immédiatement. Nous n'en croyons rien. C'est qui dit qui? Les yeux, Bou. Il faut viser les yeux. Employé du mois. Alors, trois chemins qui s'offrent à nous. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la voie vers les niveaux inférieurs. Ah, un garde qui va l'air un petit peu plus solide que les autres. Il a dû subir deux coups avant de mourir. C'était le dur à cuire de la bande. Alors, un mineur. Un mineur et un mineur. C'est un peu la misère dans cette mine, il y a plus de trucs en HQL. Faire 6. Psst, il y a un bouchon quelque part qui protège cette mine du torrent. Trouvez-le et peut-être pourriez-vous faire en sorte que cet enfer ne soit plus qu'un souvenir humide de ce qu'il a été. La réponse d'enfoiré, c'est la seule mine entre la porte de Baldurian qui produit encore du minerai utilisable. Ouais, du coup, quand même, je veux dire, bon, il y a un moment, faites un effort aussi, je vois. Bon, où est ce bouchon? Je l'ignore, je sais seulement que Dove Iron garde en permanence la clé sur lui. Non,
Mais ça c'est les mineurs typiques. Hein. Ils se rendent pas compte de toute l'économie qui pèse sur leurs épaules. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur petit confort, vivre libre, avoir à manger, voir le soleil. Non mais voilà, enfin je veux dire. Où est-ce que vous voulez qu'on aille avec des idées pareilles? Donc quantique. Et un garde. Les yeux, il faut viser les yeux. Sauvez-moi, cher monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi. Exactement, ils ont du travail, ils devraient être bien contents. Ils sont ingrats. J'étais un barde jadis. Je connaissais toutes les chansons et je pouvais les chanter toutes si merveilleusement. Mais la poussière a désormais étouffé ma belle gorge et mes poumons se sont flétris dans cet air trop froid. Que Davairon et celui qui l'a employé soient mille fois maudits. Le problème, c'est que les gens ne veulent plus travailler de nos jours. On leur offre une situation stable. Esclaves. Eh ben, ils sont pas encore contents. Avec leur mentalité d'assister, hein. Pas grand chose dans cette mine, en tout cas à l'étage supérieur. J'aurais bien aimé retrouver des munitions pour dîner, mais bon, on va faire sans. Je pense qu'il va falloir un moment ou un autre que je songe à allumer la lumière parce qu'on n'a plus voir grand chose là. Si vous voulez admirer mon magnifique profil. Sauvez-moi, cher monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vais regarder vite fait ce que ça donne. J'ai oublié de remettre ma gueule, donc c'est parfait. Ah, mystère. En fait, j'étais là depuis le début. La civilisation. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Moi, tu m'en vais. Moi, tu m'en vais. Ah, des gardes avec des arcs qui dit arc, dit flèche, qui dit flèche, qui dit munitions pour une mauvaise. Les yeux, les tous. Il faut viser les yeux. Très bien. Vous êtes une bien étrange personne. On va pouvoir repasser oui, à l'arc avec un gaspillage elle, du talent. Ah, une armurerie ou un truc du genre. Rien du tout. Ah, si, un piège. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Quoi? Un gaspillage du talent. Rien, rien. Rien, rien. Très sympa de mettre des trucs fouillés où il n'y a rien. Waouh, vous avez trouvé plein de trucs. Vide. Oui, mais vous êtes aventuré. Oh, je me rends. Oh, si vous me plaît, me faites pas de mal. Je crierai pas, c'est promis. Oh, je veux pas mourir.
Oh, laissez-moi vivre, ne me tuez pas, vous avez me laisser en vie, hein. Hein? Oh, Taisez-vous! Taisez-vous! Je serai sage, je me tairai. Oh, vous pouvez me faire confiance, je me ferai aussi discret qu'une souris. Oh oui, mais si, aucun son ne sortira de ma bouche. Elle serait hermétiquement close. Il faudra un levier pour l'ouvrir. Tu parles beaucoup trop, tu parles beaucoup trop. Profitons de ce petit passage secret. Emblème. C'est allé vite. Le serviteur de Dame Nature attend. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un autre blame. Qui c'est qui s'est... Ah putain, Khalid. Tous de mon dieu. Ordinaire, je te barre. Oui. Bah, du Bien coup, sûr. On va continuer à entendre que Khalid soit plus paralysé. Quoi? Un gaspillage de talent. Vous, donc si toutefois on peut passer. Moins de pas prêt à l'attaque. Et ça évite. Armure et épée en place. Ah, c'est bon. Aidez-nous, s'il vous plaît. Yes, Leak. Aidez-nous. Ah, le fameux s'il vous plaît. Et puis là, attendez, j'ai un doute. Ne seriez-vous pas les mercenaires qui ont causé tellement d'ennuis au trône de fer? Oui, comment avez-vous obtenu ces informations? Vous avez l'air d'un esclave du trône. Vous passez beaucoup de temps aux toilettes. Parfait, je m'appelle Ryl. Je suis la tête des esclaves, ici au-dessous de Bois Manteau. J'ai entendu parler de vous car je suis toujours attentif aux paroles des griffes noires. Il paraît que le trône de fer offre une belle somme pour la tête d'un certain Fed, c'est-à-dire vous, si je ne m'abuse. À cette présentation, le temps nous est compté. J'ai besoin de 100 pièces d'or. Le capitaine des Griffes Noires au premier étage n'est pas connu pour sa loyauté envers le trône. Si vous me donnez l'argent, et je suis sûr que je pourrai le convaincre de le regarder ailleurs pendant que je m'échappe avec les autres esclaves. Après tout, les Griffes vont presque tous être occupés avec vous. Alors 100 pièces d'or, 100 balles. Vraiment. Bah, ils gardent les esclaves ici. Comment peut-on être assez cruel pour priver les autres de soleil et d'air frais? Cette vie dénie fait monter la fureur de Minsk comme l'océan. En avant, mes amis, que le mal tremble. Oh merci, messire. Nous sommes heureux d'avoir des gens honnêtes comme vous pour défendre notre cause. Va crever, reclure, je te file rien du tout. Non, voilà, prends l'or dont tu as besoin et emmène les autres loin d'ici aussi vite que possible. Et tu me rends l'argent après, hein. Rends l'argent, c'est un prêt, hein. Qu'on soit bien clair, un prêt c'est pas un don. Merci sincèrement, bonne chance, j'espère que vous pourrez mettre fin à ces agissements immondes. Ouais, Fane, nous libérons les esclaves, tout comme les héros dans les chansons. Oh merci encore, bonne chance. Vas-y, pars vite avant que je demande mon dû. Oui, à vos ordres. Alors si vous pouviez arrêter d'être des Google du Pathfinding, ce serait plus bien. Merci. Ouais, très généreux. Mais 100 pièces d'or, quand même, est-ce que j'aurais pas pu juste lui donner 90? Je suis sûr que ça allait aussi. Et que ça aille vite. Non, parce que les mecs, je suis sûr qu'ils essaient de me arnaquer au moins de 5 pièces d'or. Qui va là maintenant? Encore du travail ou quoi? Oh, que c'est bon de vous voir, qui que vous soyez. J'en ai ras le bol, moi, des bandits. Je suis resté cloître très très longtemps, mais si vous avez une masse d'armes en réserve, je m'en servirai volontiers pour votre cause. J'ai également quelques compétences comme Claire. Je suis donc à la fois le cerveau et les muscles. J'ai des compétences de Claire. Par Clangdin, enfin une occasion de racheter mon passé. Je peux venir avec vous? Bah, toute aide est la bienvenue, nous avons beaucoup d'épreuves à surmonter. Ouais, personne ne le saurait mieux que moi. Ce sont mes mines que ce maudit trône de fer a volées. En fait, elles appartenaient à mon clan il y a 125 ans. Maudissez-moi pour ma bêtise, mais je leur ai fait confiance. Il y a des années, ces maudits Reltar m'a offert un bon poste de forgeron au trône, et puis j'ai été lui parler de mon ancienne maison. J'ai raconté que mon clan avait la mine de fer la plus riche de toutes les côtes et que presque tout le monde avait été tué après l'ouverture d'une brèche sur la rivière. J'ai perdu presque tous les miens dans cette inondation. Ceux qui ont survécu ne pourraient jamais retourner là-bas. C'était une tombe d'eau géante et nous l'avons laissée telle qu'elle. C'est alors que je raconte ça à mon ami Reeltar et il me fait enchaîner. Il m'a torturé pour connaître l'emplacement et maintenant ce cimetière aide le trône de fer à sécher la côte.
Si vous voulez entraver leur projet, aidez-moi à inonder ces mines à nouveau. Ils ont bouché la brèche, mais mes mains expertes seront à déboucher. Nous pourrons noyer ces sales rats dans la mine, même qu'ils ont volé. C'est par ici. Mais par contre, toi, tu te casses. Merci. Faut pas rester ici, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez été bon avec moi, les amis. Promettez-moi de casser quelques têtes, d'accord ? Oui, nos chemins se séparent, on se retrouve quelque part. Alors, je vous attendrai à l'auberge de Prince Amical. Mon neveu a travaillé pour les Ombres Miroirs par le passé. Ce sont des gens bien. Oui. Putain, le nain, il a bossé pour des gnomes, quoi. Khalid est malade. Il est nauséeux. Bon, ça n'a pas l'air de l'infecter beaucoup plus que ça. Quoi ? Par ici ? Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Coucou ! Pour ceux qui ont péri ! Alors, on a un mage. Rai-chan. Et que ça aille vite. Merde. C'était pas prévu, ça. Pour ceux qui ont péri ! Évidemment. J'ai avancé une dissipation par là en espérant que ça suffise. Wow, il y a du monde. Je m'affaiblis. Il va me falloir un grisseur. Bah, Dinara vient de se faire griller le cul. Un gaspillage de talent. Quoi? Vous êtes une bien étrange personne. On la refait. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors vous, coucou. Pour la lame vous couperez. J'ai toujours raison. Si on pouvait déclencher. Ouais. Oui. Bien, si on pouvait éviter de déclencher tout le combat, ça m'arrangerait, mais. Quoi ? Bon. Un gaspillage alors, allez, de talent. Vous désirez. C'est crever. Comme si c'était fait. Et là, ok. Par les trois, nous le sommes. Ouais, surtout, mets-toi bien en première ligne. Hein. Et je trouve que c'est une bonne idée. Aussitôt dit, aussitôt fait. N'en ai pas idée. Après, on pourrait peut-être les contourner et éviter de se taper tous les gardes de la mine d'un coup. Mais où serait le fun? Quoi? En fait, tu vas essayer de l'interrompre. Vous désirez. L'air aussi, rend-toi utile. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il faut viser les yeux. Et bah, tant que vous allez la finir, parce qu'elle fait bien mal. Et que ça aille vite. Qui en veut ? Oui. Alors, le sort d'éclair qui se rebondit dans tous les sens. Il besoin de soins pour il va me falloir un guérisseur au plus vite. Le serviteur de Dame Nature a Popo, Jaira Popo. De sûreté, maire de sûreté. Quoi? Bien sûr. Mais là, vous comprenez. Ah bah c'est quoi, c'est des salles d'élite. Je pense que le sommeil suffira pas. Oh si. Wunderbar. Vous avez quelque chose à vous mini répit soin. Promet énormément. Un petit peu de chance là. Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. On sait pas que le soldat serait sensible. Tous, c'est comme si c'était au fait. Sommeil. Quoi? Oh oui, le sort de hâte. Déjà, on va se prendre un bâton parce que visiblement ordinaire, elle a pas d'arme du tout. Voilà. Après. Oui, quoi? Oui. Alors tu récupères les parchemins. Les flèches ça va être pour Limoen. Une robe de mage de Quax. Robe d'aventurier c'est pourri. Mais apprends-le. Oui. On s'en fout. Bon voilà, on a un sort qui le va quand même pas mal changer le déroulement de la suite. Vous êtes une bien étrange personne. Sûrement le sort le plus utile du jeu.
Hop, tu vas refaire un plan de flèche. Une petite pensée pour tous les gardes dans la salle juste à côté qui ont dû entendre leurs potes se faire massacrer et qui ont décidé prudemment de rester cachés. Quoi ? Alors, hop. Quoi ? Un gaspillage de talent ? C'était pas mal. Les yeux, Boo ! Il faut viser les yeux ! Ma lame vous coupera en morceaux ! Qu'est-ce que vous voulez ? Toi, tu fais le temps plein tranquillement. Et que ça aille vite ! Quoi ? J'en ai assez ! Toujours. Oh mon cœur. Avec cette gentillesse et cette générosité qui nous caractérise. Moi, je m'en vais. Quoi? Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Madame vous coupera. J'ai toujours raison. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va piller la cuisine. Vous êtes une bien étrange. C'est fermé, c'est elle qui va stocker les bouteilles d'épinards. Ou rien du tout. Et ça évite un gaspillage de talent. Ok, on a fait une bonne partie de la mine, il y a la partie là-bas qui nous manque. Oui. Tout de suite apprendre le sort de hâte avec Fade. Quoi? Ça c'était inattendu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais, on n'avait rien trouvé là-dedans, on va quand même ouvrir la porte. Et cette fois-ci, on va pas faire passer Imoen devant. J'en ai assez! Quoi? Bien sûr. Et que ça aille vite! Alors, on lui a dit hop, oui. Hop, 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 et hop. J'ai dit hop. Merci. Quoi? Alors, comme ça, on peut faire dodo. Aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Et ça évite un gaspillage de talent. Nous avons des cellules. Rien d'intéressant pour l'instant. Toujours rien. Ok, c'était bien nécessaire. Eh ben, hop, étage inférieur. On avance dans les mines, on doit plus être très loin de la fin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Coucou. Oui. Quoi? Ma lame vous coupera en morceaux. Pour ceux qui ont péri. Paul de mon cœur n'y est pas vraiment. Et j'ai toujours raison. Crevez tous. Ah, Minsk était empoisonné. Et que ça aille vite. Oui. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pourquoi le bon de flèche peut-être? Voilà. Un anneau.
sorte de projectile magique, ça peut-être pas être le serviteur de Dame Nature. On va quand même le récupérer. Au pire, ça sera grand. Alors, il y a plus de place. Jaira, t'as plus de place non plus. Ça commence à être un petit peu encombré tout ça. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Que faites-vous chez moi ? Vous n'avez rien à faire ici. Les yeux ! Toc toc ! Il faut viser les yeux ! Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Moi, je m'en vais. Par ici ! Encore des flèches. Rien de verrouillé ici, on va quand même vérifier au cas où il y a des pièges. Vous désirez de l'aide. D'ailleurs, tu vas faire un petit peu stockage de flèches aussi, tant qu'on y est. Hop là. Et ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Rien. Une gemme toute pourrie. Des sorts tout pourris. Un gaspillage de tout talent. Tout ce qu'il vous plaît, c'est comme si c'était fait. C'est vrai qu'elle peut pas prendre sommeil, puisque c'est dans son école interdite. Identifier cette armure. Armure plus un. Que personne ne peut utiliser. Ouais, si, on va faire ça. Hop. Jaira, tu peux utiliser cette armure là, ça permettra de refiler l'anneau à Dinaer. Il mine ce que moi tu peux la porter, hein. T'es un peu la mule du groupe donc c'est très bien. Quoi ? Un gaspillage de talent. Vos bonnes manières font du bien parmi des gens qui n'en ont pas. Oui, pour le groupe. Et que ça aille vite, bien sûr. En avant. Oui. Marche. En avant. Quoi ? Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Pour ceux qui ont péri. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Crevez tous. Mon cœur n'y est pas vraiment. Puis-je vous être utile? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Les yeux. Exactement. Vite. Il faut briser les yeux. Ah. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Les yeux. Il faut viser les yeux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avez quelque chose à accomplir. Deux parchemins. Bim, bim, bim. Bien. Mais sérieux. Tu sais lire, Dinaer? Je commence à en douter sérieusement. Le serviteur de Dame Nature attend. Oui ? Bon, dommage, on a perdu une opportunité de gagner bouclier qui est un sort assez sympa puisque ça, ça nous immunise pardon, à la projectile magique. Moi, je m'en vais. Et comme les mages adorent projectile magique. Ça arrivera. Et puis je peux toujours essayer. Quoi ? Je ferai de mon mieux. Donc y'a rien qui pèse, ça ira. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Que faites-vous chez moi ? Madame vous coupera
garçon. Voilà. Dissipation de la magie, ça se prend. Bon, les potions sont pas terribles, mais bon, on va faire avec. On doit approcher doucement de la totalité des sorts du niveau 3, je pense. Hein. Et que ça aille vite. Donc, ouais, c'est pas mal. Niveau 2, on a à peu près tout, je pense. Niveau 1 aussi. Niveau 4, on a encore rien. Hein. C'est pas terrible, ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut mieux faire. Ici. Hein. Quoi ? Hop. Et que ça aille vite. Ou alors, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que la version 2, que la Baldur's Gate 2 en version enhanced est que en anglais. Si c'est le cas, c'est un petit peu chiant. Parce que, bon, là, vous tapez tous les dialogues avec le doublage, mais si je dois faire la traduction en plus, ça va prendre une éternité pour le faire. Hein. Byzantine. Magique. Parfait ça. En plus, avec ma qualité de traducteur, vous risquez de rien comprendre à ce qui se passe. Oui. Donc on est fait la position, aussitôt dit, bon. Aussitôt fait. Là, y'a rien. Non plus. Nul. De la merde. Le mal est partout. Attention à ne pas se faire piéger. Tronnage magique, ça se prend aussi. Vous désignez la cible et moi je frappe. Ah, Mince qui est blindé. C'est... Je travaille avec des mecs qui peuvent rien porter en plus. C'est pour. Ça quoi? Aide pas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Natasha. Il faut viser les yeux. N'épargnez personne. Pas de bol pour ton sort, Natasha. En avant, marche. Oh, elle a des sorts, c'est très bien. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais, je te prends ça. Hop. Lenteur, c'est bien aussi. Ouais, les autres continuent de vous battre pendant que je prends des trucs. Encore une fois, Dinaire, bien sûr, rate son écriture. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Ma lame vous coupera en morceaux. Et j'ai toujours raison. Vous avez quelque chose à accomplir? Quoi? Bien sûr. Quoi? Moi? Je m'en vais. Rien. Un petit peu d'or. On a combien d'or? 9000 et quelques, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et que ça aille vite. Si on veut acheter une deuxième robe d'archimage et moi, je m'en vais. L'armure moi, des ombres, il va falloir faire mieux que ça. Donc t'avais rien d'authentification, toi. Pas le sort, tu peux pas. Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quoi? Il n'y a pas une porte qui se cache là, ça m'étonne. Il y a des mouches qui volent. Il y a des gens en mode. Alors, à l'œuvre. Ah, oh, c'est impressionnant, non? Le type à ma gauche écrit un bon bout de temps avant de finalement rendre l'âme.
Ça fait froid dans le dos. J'espère qu'il ne nous arrivera jamais d'être torturé comme ça. Espèce d'animal dégoûtant. Tu me dégoûtes. Contrairement aux misérables esclaves que vous avez torturés, nous savons nous défendre. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Voilà. C'était rapide. Moins de paroles et plus de bagarres. Bagarre. Hop là, fidèle ce qu'on peut gérer. En général, les ogres mages sont quand même des ennemis un petit peu dangereux. Mais bon, on a eu de la chance sur ce coup-là. Le katana tourne pas comme étant dans les armes que manier Jair. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va passer directement par là. On va réussir un deuxième corps de garde, je pense. Voilà. Épargnez en avant! Épargnez pour ceux qui ont péri! Épargnez personne! En avant! Épargnez! Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider? Je peux toujours essayer. C'est une notification de César. Ça nous permettra de savoir ce que c'est que cette besantine. On va prendre quelques flèches pour Imoen. Oui. Pour ceux qui ont péri! Très bien. Un gaspillage de talent. Alors, identification. Ouais, ou non. Ouais. Est-ce qu'on l'apprend à Itinéraire ? Non, on va le filer à Veil. Quoi ? On va le filer à Veil, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de 50 sorts d'identification. Vous sentez une plus 1. Très bien pour Imoen. Hop, voilà. Et que ça aille vite. Je les déteste, ces femmelettes du poing enflammé. Que faites-vous ici? Vous avez intérêt à avoir une bonne raison de vous avoir dérangé. Nous venons à la porte de Baldur pour une affaire spéciale. Ah bah très bien, circuler. Oh, les mon yeux, cœur n'y est pas vraiment. Il faut viser les yeux. Ah, pardon. Je vous ai tué par accident. J'ai pas fait exprès, c'était pour rigoler. Ah, une forge. Peut-être la forge dont parlait Yeslik. Il faut viser les yeux. Bien sûr. Épargnez personne. Quoi ? Pas grand chose dedans. Il y a pas besoin d'un passage. Vous êtes une bien étrange. Moi, je m'en vais. Vite. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sens grave le piège. Oui. William Gobin. Et j'ai toujours raison. En avant. Marche. Ça, infravision. Vous désirez. Ça se prend avec l'ordinaire. C'est comme si c'était fait. Hop. Mais... Quoi ? Si quelqu'un a la patience de faire les stats sur le taux de réussite de Dinaire au niveau de l'apprentissage, je suis curieux de voir, parce qu'elle a quand même. Elle est censée quand même avoir 75%. Elle foire tout. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est ridicule. La première magie lettrée depuis la création de la magie. Alors par là, c'est plutôt calme pour l'instant. Une autre partie de la forge, bon, là, au gobelin. Elle est devrait tailler rapidement. Gobelin. Pour de bon. Et j'ai toujours raison.
L'angle 2. Parchemin d'identification, c'est bien. Espèce de... Cette espèce de... ouais, il y a juste eu un carnage à proximité. Mais les mecs, ils entendent pas. C'est genre, non, c'est... Vite, aidez-nous. Ah non, ah non, on peut pas. Je pense qu'ils sont dans l'optique, si je ne le regarde pas, ils ne me voient pas. Il fait chaud. Alors, désolé, je coupe 2 secondes le micro. Sinon, vous auriez un très désagréable bruit de glouglou. Faire le tour de l'intelligence de Drizzt avec les deux bras attachés derrière le dos. Êtes-vous ici en hommage à notre redoutable seigneur? Votre redoutable seigneur, je ne reconnais pas ce titre, mais avec la disparition des dieux du meurtre et du conflit, le prince des mensonges aurait très bien pu le réclamer. Répondez-moi. Non. Croyez-vous que... Alors, nous avons moi, des gens... Moi, je m'en vais. Déjà, oui, le serviteur de Dame Nature attend. Je peux toujours essayer. Je peux toujours piller les temples aussi, hein, bien sûr. Ouais, le dépôt pose, c'est tout pour elle. Oui, ce serait un endroit pour le groupe. Ce serait un endroit idéal pour ériger un Chrome Lake dans une toute petite pièce dans le sous-sol. Oui. Ah bah on avait déjà massacré les gens là-bas, c'est magnifique. Eh ben on va passer au niveau inférieur. On doit être à peu près à 1 heure de vidéo là. Petit étage en dessous, c'est d'Avairon, on va se finir la mine quand même. On va pas vous rester comme ça. On va pas vous laisser comme ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller, d'aller plus loin. Et bien, il est là d'Avairon. Quoi? Et il s'est protégé contre les projectiles normaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balancer à hâte. On va se foutre en flèche magique sur Imoen. Le serviteur de Dame Nature attend tout ce qu'il vous plaira. Le flux. Exaille vite. Hop. J'ai pas trouvé un sort de bouclier élémentaire à la sortie du... Ah ici il est là. J'ai complètement oublié de la prendre. Oui. Bon ça après c'est niveau 4, ça me change pas grand chose. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous et votre petite bande de fur et mieux d'avoir des bonnes raisons d'être ici. Nous voulons voir le maître des mines. Taveyron n'apprécie pas les visites prévues. Plus solide que les autres. Hein. Par contre, vous il êtes une bien étrange personne. Ah, ici. Oui, alors ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une puissance. Moi, je m'en vais. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas filer ta potion d'invisibilité à Imoen, qui va la boire. Quoi? Voilà.
Comme ça, tu pourras tranquillement te balader. En évitant de te manger les pièges que t'es censé détecter. Espèce de débile. Ah putain, les horreurs guerrières. Gorion serait fier de vous. Alors, comme ça, nos aventuriers stoïques ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à mon repère. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour voler mes richesses ou peut-être me punir avec raison de mon affront envers votre moralité ? Peu importe, car vous n'en ferez rien. Avant que je ne dispose de vous de quelque horrible manière, je devrais peut-être me présenter. Je suis connu sous le nom de Davairon. Je vous demanderai bien vos noms, mais je me soucie peu d'être l'ami d'un mort. Ne prends pas ces paroles à la légère, Elfade. Je sens un homme de grand pouvoir. Nous avons affaire à un magicien puissant. Par la fortune de Timora, vous êtes un sale type. Quand je pense que je voulais devenir mage... Maintenant que les présentations sont faites, préparez-vous à mourir. Ouais, alors on va déjà essayer d'attirer les horreurs guerrières, parce que si on se les prend en plus de Davairon, on va se faire fesser. Surtout qu'on a plus de vitesse. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Ouch. Ouch beaucoup. Qui en veut ? Oui, ô figure autoritaire omniprésente. C'est bien, on aura toujours pas mis de dégâts, c'est parfait. Vous désignez la cible, il va me falloir de l'aide très bientôt, si je ne veux pas que mon hamster soit... On risque de perdre Minsk. Tiens. Plus de bagarre. Les potions, j'ai pas trouvé des potions de soins un petit peu moins pourries. Les tirs de santé, ouais d'accord, c'est de la merde. Potions de soins de base... Non, et ben... Qui en veut, donc j'accepte, en dépit du bon sens. Ouais, non, alors si tu focalises sur Imoen, ça va être terminé en deux secondes. Et là, ça va être game over, donc on sait jamais. Ouais, c'était un peu trop improbable. Eh, Védinaire est morte. Bon, on va essayer d'attirer les gens un par un. Un gaspillage de talent. Vous êtes une bien étrange... Par ici ! N'étiez pas censé être là, vous ? Alors, comme ok, ça, ils sont plus là. Nos aventuriers stoïques ont réussi à se frayer. Ah, c'était un piège, je pense qu'il devait déclencher les. Ma lame vous coupera en morceaux. Sort d'éclair dans un petit couloir, ça fait mal. Vous êtes une bien étrange personne. Ok, donc les horreurs guerrières. Tout le monde n'est pas aussi digne de confiance que Minsk. Un gaspillage de talent. Merci. Alors comme ça, nous avons tué très content. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Vous désirez ? Bradinaire, on t'envoie la sauce. Fade pareil. Très bonne interruption. Quoi ? Ma lame vous coupera en morceaux ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout ce qu'il vous plaira. Hey. Excite vite. Jusqu'ici, ça se passe assez bien. Il est blessé, il a plus de protection. Et on n'arrête pas de l'interrompre. Vous avez fait subir un rude revers à l'organisation connue sous le nom de Trône de Fer. Une défaite qui ne sera certainement pas passée sous silence. Vous devez maintenant vous rendre dans la grande cité de la Porte de Baldur. Vous découvrirez assurément la vérité qui se cache derrière l'étrange complot qui ronge la vie des habitants de la Côte des Épées.
Parfait. C'en est fini de Devil. Une plaie béante sur mer terre. Ouais, par contre, c'est Mince qui a un petit peu. Si j'en avais les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? De la thune, ce serait bien. Quoi? En fait, il connaît déjà tous les sorts qui sont là. Bouclier, n'est pas encore. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui a de la place, s'il vous plaît. Personne. Les amas de niveau, c'est parfait. Ah, une nouvelle compétence martiale. Alors, épée longueur. 3 étoiles, alors, plus 3 pour toucher, plus 4 dégâts, une meilleure vitesse, et une demi-attaque en plus. Voilà, parfait ça. Hop là. Le serviteur de Dame Nature attend. C'était pareil que je devais utiliser à Khalid. Vous avez quelque chose à accomplir? Nous avons des bracelets, une robe de mage, une deuxième robe de mage et la clé du bouchon de la rivière. Alors, parchemin. Davairon, j'ai reçu votre demande de nouveaux esclaves. Ils vous seront envoyés dès que possible. Les événements vont bon train à la porte de Baldur. Nous avons acheté une propriété nobiliaire à l'ouest. Elle servira de base à nos opérations. Il s'agit d'un bâtiment ancien, vraisemblablement construit avant l'édification du deuxième mur. Ce mur constitue un outil de défense considérable contre ceux qui tentent de nous piller. N'oubliez pas de demander à Yeslik si ses nouveaux appartements lui plaisent. Enfin. Davairon, comme vous le savez probablement déjà, la contamination du fer a commencé à faire effet le long de la côte. La majeure partie des importations de fer étant détournée par Tazdok, la quasi-totalité de ces importations provient de la source impure de Nashkel. Le soulèvement sithylisien de l'âme empêche toute force de cette nation de s'en prendre à nos mercenaires. Toutefois, le coin enflammé a attrapé plusieurs mercenaires des griffes noires. Toutes les personnes capturées en joueraient allégeance aux Antarim et ont de ce fait détourné tous les soupçons qui pesaient sur le trône de fer. J'ai envoyé Transic pour assister les mercenaires dans le transport du fer jusqu'à notre base de Boismanteau. Il a apporté plusieurs sacs afin d'effectuer des voyages jusqu'à Boismanteau tout seul. Cela réduit le risque que les traqueurs du point enflammé repèrent votre citadelle. Et Davairon, nos projets se déroulent comme prévu. Mon fils Sarvok est arrivé de notre quartier général d'Ordolin. Il apporte des nouvelles de la part de notre supérieur. Notre progression est satisfaite jusqu'ici. J'ai l'intention de nommer Sarvok commandant de nos forces mercenaires dans la région. Il a déjà envoyé son subalterne Tadzok à Boismanteau pour prendre le commandement des forces armées là-bas. Les choses avancent vite ici à la porte de Baldur. Nous avons posté notre premier agent parmi les rangs du marché des transactions des Sept Soleils. Ce monsieur Rieldar a l'air de tirer les ficelles. Bien sûr. Alors, on va fouiller les appartements de Davairon. Je pense qu'on va se prendre plein de pièges à la gueule. Je vais prendre la potion de notre voleur parce qu'elle est bien, le reste on peut pas tout plier parce qu'on n'a plus beaucoup de place dans les inventaires. Aussitôt fait. Ici, on a une petite pièce sur le côté là-bas. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Quoi? Un peu d'or, ça se prend. Bien sûr. On a un cahier d'encombré. Ouais, forcément. Hop, voilà. Nous avons une bibliothèque, c'est un mage. S'il piège la bibliothèque, c'est pas surprenant. Dans une sorte de détection de la visibilité. Exive, un gaspillage de talent. Nous allons essayer d'apprendre parce qu'il me semble qu'il n'est pas encore connu. Ça va encore s'ajouter à la liste des sorts qu'on. Ah si, il est connu. Ils sont légèrement verts quand ils sont pas connus. Donc, D'ailleurs, vraiment, le don de. Tout ce qu'il comme vous voudrez. Sérieux, quoi. Oui. T'es mauvais. Bien sûr.
Non, c'était faux. Vous avez tué Madame Iron? Ah, je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous en supplie. Je ne suis que son apprenti, je le jure, je ne sais rien. D'accord, j'en sais un peu, mais je n'étais que son élève, je vous assure, je peux vous aider. Oui, je peux vous donner des informations. Posez-moi une question, allez-y, demandez. Qui était le supérieur de Dave Iron? Qui donne vraiment les ordres ici? Ah, je sais pas, je le jure. Tout ce que je sais, c'est que les chefs régionaux du Trône de Fer ont placé Dave Iron ici. Ils sont trois, je crois, mais j'ignore leur nom. Dave Iron recevait également des ordres d'un autre. Il s'en peignait souvent, mais n'a jamais prononcé de nom et il ne m'a jamais rien dit. Je vous assure. Le bâtiment principal du Trône de Fer se trouve à la porte de Baldur, quelque part au sud-ouest de la ville. Mais j'y suis jamais allé, hein. C'est la vérité. Je peux partir maintenant. Bah non. Comment dire, non. Oh non, s'il vous plaît, je vous en dis tout ici, je suis calaqué, je jure que je vais te dire maintenant, je vous en supplie. Je ne me laisserai pas convaincre, vous allez crever. Oh, je dois m'échapper, il le faut. Comment ce sort, Est-ce que je peux le tuer? Non, il est disparu. Oh, je suis déçu. Bon, on est parchemin, on le connaît déjà. Puis-je vous être utile? Alors, toi, tu vas te faire de la place et comme ça, tu pourras rater l'apprentissage de 5 sur la suite. Vous désirez de mon mieux. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Infravision. Raté. Bon, en même temps, il sert à rien, mais c'est pas grave. Et horreur. Raté aussi. Je me rappelle, hein. 75%. Rappelons-le bien. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Le seul à vos ordres. Quoi? Par ici! Une baguette. Oh oh oh, une baguette. Oui. Un temple? Bien sûr. Une sortie. Quoi? Et probablement des pièges. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Excite, bien sûr. Vous... J'en ai assez. Oui, un gaspillage de Qu'est-ce talent. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Aussitôt dit, aussitôt fait. Une jolie moutarde. Il faut viser les yeux. Moi, c'est bien tué. Deux mini-crits. Ah, du coup, on devait être pas mal de niveau avec pas mal de monde là. Minsk, ça approche. Kai, il est passé. Jaira, son niveau de druide bientôt. Il boit encore du temps. Ouais, bon, là, finalement, on est encore assez loin. Hop. Flèche acide de Melf, ça se prend. Déblocage, ça se prend aussi. Détection de l'invisibilité. Et que ça aille vite, bien sûr. Flèche acide. Déblocage. Là. On n'a pas un truc à identifier histoire de se débarrasser de. Tiens, on va identifier les bracelets. Classe d'armure 6. Ça m'améliore pas ma classe d'armure. Est-ce que ça améliore celle de l'IR? Non. Camaraderie, aventure et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Un bout. Je ferai de mon mieux. Ok. Oui. Et on va pouvoir ressortir. Et aller donner le bouchon du... de la mine à... la clé du bouchon à l'esclave qui nous l'avait demandé. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin.
Les mines de bois manteau. Un gaspillage de talent. Avez-vous besoin de mes services? Je peux toujours essayer. Aidez-nous. Oh là, je vois que vous avez la clé. S'il vous plaît. La bataille avec le maître a dû être sanglante et vous devez avoir une sacrée résistance pour être encore en vie. Très bien, donnez la clé, ce serait une affaire réglée. Oh, encore une chose, vous avez bien parlé à Ril. Vous savez, pour que tous les esclaves puissent sortir d'ici vivants. Oui, nous avons parlé à Ril, ne vous inquiétez pas pour vos amis. Nous serons tous en sécurité. Voici la clé. Maintenant, on s'y met. Bon, je crois qu'il n'y a plus de choix. Dès que j'ouvre le bouchon, il faut qu'on court le plus vite possible, sinon on sera balayé exactement comme les nains de Rothiar. Prêt ? Allons-y. Salut, cop. Attends, il n'y avait plus un mini qui vient dans ce truc. Vous nous avez sauvés. Les autres se sont enfuis vers le nord en direction de la porte de Baldur, mais j'ai préféré rester pour vous remercier. Sans votre bravoure, qui sait combien de temps on aurait travaillé dans ces horribles mines. Heureusement que vous n'avez pas fini cette tombe d'eau comme d'autres mercenaires du trône de fer. Oh, ils étaient déjà morts depuis bien longtemps. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Hop, 2 points de réputation. Héroïque. C'est bien. Alors, du coup, on va ressortir par la partie. Ah. Eh ben, on vient d'avoir un magnifique crash. Bah, du coup, ça va sonner la fin de notre session. Et puis, la prochaine fois, on ira vers la porte de Baldur. On voit ce qui se trône au trône de fer. Salut tout le monde. Salut YouTube. Et puis, des bisous. Salut.